cette deuxième manche. Lionel Chamoulot, Jean-Paul Loth. Nous y sommes, Patrick, sur ce central, avec Pete Sampras qui est presque en démanche à rien. Nous sommes à 15-0. Yep. On est content de les voir, ceux-là. Regardez cette course extraordinaire et puis cette préparation à toute vitesse au dernier moment. Hop. Ah, c'est bien servi. 40 secondes. Il tend énormément sa raquette, le numéro mondial, 34 kilos. C'est lui qui tend le plus et qui donc casse le plus de cordage. Et termine cette manche, Pete Sampras sur un ace. Ça fait 6-1, 6-4, 1h16 de jeu. Et on a l'impression... bloqué là au filet pour finalement choisir ce passing en toute sécurité. Il pouvait croiser, eh bien non. Un bon joueur, mais qui n'a pas encore inscrit le moindre titre à son palmarès. En 15-0. Gagné 16 reprises. Eh bien, voilà un autre. 9-8 pour Pete Sampras. Il suffit de décentrer un peu le coup et ça peut casser. Quel superbe coup! Bien sûr, en dehors de ces grands services que l'on voit maintenant auprès de tous les joueurs, ça, regardez, tourner autour un peu sur le revers, avancer, balancer son coup. En démonstration, Pete Sampras, et ça continue. Enregistré depuis la création du classement ATP. Coup passe sous le vide. Oh, oh, quelle merveille, Lionel. Voilà. Il rigole, ah oui. C'est juste devant la ligne. Exactement là où Pete Sampras voulait déposer cette balle. Et voilà qui... Même ça. Eh oui, vous avez vu comme il a joué cette demi-volée là. Il fait le ménage sur le court et il marque les points. Quelle facilité. Parce que là, il aurait pu... Ah, il a souvent cherché de ce côté-là. J'ai encore une balle à sauver, en tout cas une balle de match. Il va falloir sauver. J'ai 7 mètres. Et maintenant, ça sort. 6-1, 6-4. Fin de la démonstration. 6-1, 6-4, 6-1. 1h40 de jeu et vraiment si Sampras se sentait moyennement prêt l'autre jour pour affronter Rios, et bien là il a mis les choses au point. Il est bien bien installé dans ce tournoi, l'américain, et au prochain tour. Il n'y a pas de précipitation pour aller saluer l'adversaire, c'est une victoire. Bon, voilà, numéro un mondial à gagner. C'est sûr. Ça fait 42 matchs gagnés cette saison, 2 seulement perdus. Un petit salut quand même au public pour sortir, pour quitter ce stade. Le public qui est debout pour l'applaudir.